Bonjour à tous, e-teachers 46, donc un e-teachers un petit peu spécial, puisqu'on est en vacances, donc on a décidé de créer des petites capsules vidéo pour pas vous laisser sans e-teachers pendant ces 15 jours de vacances, avant les fêtes. Donc voilà, on va créer quelques petites capsules vidéo que je vais monter un petit peu, et puis voilà, comme ça vous aurez toujours votre dose d'e-teachers. Donc moi je vais présenter deux petites choses qui m'ont un article qui m'a particulièrement que j'ai particulièrement trouvé intéressant qu'on trouve dans toujours l'excellent site écolebranchée.com. Donc c'est un site que je suis beaucoup. C'est un site qui est canadien. Pour un petit article qui m'a plutôt interpellé, qui se nomme comme ça une journée de classe à la maison pour ménager la planète. Donc c'est un article qui raconte en fait d'un collège, le collège Sainte-Anne, qui a organisé une journée carbone neutre, donc où les élèves de secondaire sont restés à la maison et ont suivi leurs cours à distance. Donc tout le collège est resté à la maison. L'objectif, en fait, il y avait un objectif, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 7 tonnes de CO2, soit l'équivalent d'un aller-retour Montréal-Sydney. Donc, en fait, le personnel enseignant, lui, a décidé de suivre les cours, de créer les cours complètement en ligne pour permettre cette émission de réduire ces gaz à émission de serre à effet de serre pardon. Donc ils ont suivi leur cours habituel, hein. Ils sont branchés en ce moment sur leur plateforme, hein, qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Alors ils parlent de plus reportages, Challenge You, Moodle, YouTube, et en profiter pour aussi calculer l'empreinte écologique d'une journée régulière de classe. Donc ça permet de travailler là-dessus. Voilà, c'est une initiative plutôt innovante à méditer. Ensuite, pour finir, pour vous laisser avec toujours un petit outil assez sympa quand on diffuse des vidéos YouTube très souvent, et ben voilà ce qu'on a, hein. On a notre vidéo ici, on a plein de liens à droite à gauche, et ensuite même à la fin de la vidéo, et ben on va voir quoi, qu'est-ce qu'on va voir de la pub, hein, on a toujours un petit peu de pub, donc plein de choses qui peuvent gêner un petit peu les élèves, les faire aller voir autre chose, etc. Et bien, il y a trouvé un site qui est plutôt intéressant, c'est en copiant simplement l'adresse de la vidéo YouTube. On va aller sur un site qui s'appelle viewpure.com, viewpure.com. On va simplement coller l'adresse simplement de la vidéo. On va cliquer sur Purify, ce qui va enlever justement tout ce qu'il y a autour. On retrouve la vidéo, d'accord? Et ensuite, donc on n'a aucun artifice autour, aucune pub, aucune chose. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est à la fin de la vidéo, et ben on va avoir zéro pub aussi d'ailleurs. Donc, qui permet d'avoir une vidéo très très pure. C'est justement le nom de viewpure.com. Voilà, un petit site sympa. Il suffit après de récolter l'adresse ici de créée par Viewpure et ensuite tout simplement la diffuser aux élèves. Plutôt intéressant en tout cas. Voilà pour moi. En tout cas, moi je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On se retrouve rapidement à la rentrée. À bientôt et ce sera en tout cas le tour de mes collègues maintenant. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de e-Teachers, un peu particulier cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un numéro différé, étant donné que nous sommes tous plus ou moins en vacances par Monts et par Vaux, on a décidé de vous enregistrer ces petites capsules vidéo pour vous laisser quand même découvrir toujours quelques outils et ne pas vous laisser sur votre faim, bien évidemment. Voilà, donc numéro certainement un petit peu plus court, mais deux, trois petits trucs de fin d'année à vous proposer. Alors moi, je vais commencer
par vous parler d'un outil qui permet de créer des fiches de révision. Donc c'est plutôt un outil qui va se destiner aux élèves. C'est quelque chose que vous pourrez montrer à vos élèves et qui va leur permettre d'organiser leurs fiches de révision. Alors peut-être plutôt aussi vers des élèves de niveau un peu plus élevé, de lycée, voire d'études supérieures. Donc cet outil s'appelle NimbleNotes, NimbleNotes.com, NimbleNotes.com. Et voilà comment ça se présente. Vous arrivez sur la page et il est très facile de créer un cahier de notes, notebook. Une fois que vous avez donné le nom, là j'ai créé, vous voyez, vous pouvez ouvrir le fameux notebook et arriver vers des fiches. Moi, là, j'ai gagné un petit peu de temps et j'ai déjà créé, par exemple, un premier bloc de texte. Bloc de texte tout à fait classique dans lequel vous allez pouvoir écrire du texte comme son nom l'indique, mettre des couleurs, surligner différentes tailles. Rien de bien compliqué. Et vous pouvez bien sûr ces blocs de texte les supprimer et les enlever à votre guise, voire même les déplacer. J'ai rajouté aussi une image de manière très facile avec un système de drag and drop. Et j'ai rajouté en dessous par exemple une petite vidéo. J'ai juste uniquement mis le lien vers une vidéo YouTube que j'ai trouvée et qui, bien sûr, s'écoute en direct. Hein. Sans aucun problème, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez rajouter aussi des définitions avec le mot-clé et encore la définition, sa définition, des questions et des réponses pour après générer éventuellement des petits quiz. Donc c'est quand même plutôt très 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 facile. Ça va même un peu plus loin. C'est quelque chose qui devait être destiné certainement à des étudiants en loi, puisqu'on peut rajouter même des études de cas, vous voyez, avec des défendants, des bon. Peu importe. En tout cas, sans servir de tout ça, vous pouvez vraiment rajouter tout un tas d'éléments qui vous permettront derrière de générer des études de cas. C'est vraiment des études de cas, n'importe quoi, de générer tout un tas de fiches de révision très faciles à retrouver sur l'ensemble du site. Donc, en quelques clics, intéressant. En plus, vous pouvez bien évidemment demander aux élèves de les partager. C'est gratuit et à mon avis, c'est un très très bon outil pour générer ces documents de manière très simple. Alors bon, on pourrait faire ça sur Evernote, on peut faire ça sur plein d'autres outils, hein, mais c'est un nouvel outil gratuit, rapide pour synthétiser des cours. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième projet que je trouve intéressant qui s'appelle Lilo. Lilo, Lilo.org. Cette fois, ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas directement lié à notre métier d'enseignant, mais c'est un navigateur. Un navigateur, comme vous en connaissez certainement plusieurs, pas un navigateur, je dis n'importe quoi, moi c'est la fatigue, je pense à autre chose, ce n'est pas un navigateur, c'est un moteur de recherche qui a le mérite en fait, qui se veut social et solidaire et qui a le mérite de reverser une partie de ses revenus à des associations caritatives. Donc il marche comme n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez l'ajouter facilement à la place de celui qui est votre favori. Et par exemple, à ce jour, il a réuni quand même, il réunit 37 000 membres pour environ 5 millions de recherches mensuelles. C'est pas énorme quand on compare à d'autres gros navigateurs, mais il a récolté quand même 36 000 euros pour aider différents projets. Alors ces projets, ça peut être des projets liés bien évidemment à l'environnement la plupart du temps, l'environnement, des projets sociaux, solidaires. Et c'est plutôt intéressant de pouvoir travailler comme ça, surtout que le moteur en lui-même est, ma foi, très satisfaisant et marche très très bien pour la plupart des recherches qu'on a à faire. Donc allez voir ça, lilo.org. De nombreux projets ont été soutenus. Vous voyez, on a des. Bon, ça reste des projets alternatifs, altermondialistes, liés à l'éducation, liés au développement durable.
Moi, je partage assez bien ces idéaux et je trouve ça plutôt intéressant de l'utiliser, surtout que ça ne coûte rien et au contraire, ça peut aider. Voilà, c'est de l'argent qui revient des liens commerciaux, qui vient des liens commerciaux, qui s'affichent lors des recherches. Et on a même une petite explication, 50% qui vont à un projet qui s'appelle, via le système qui s'appelle Goutte d'eau, vous irez voir, c'est plutôt pas mal foutu. L'argent qui va pour la compensation carbone, pour la communication aussi du site, et bien sûr 25% pour le fonctionnement du site. C'est vraiment intéressant et je vous encourage vivement à l'utiliser. Pour terminer, je fais un petit peu d'auto-promo et je vais vous parler de Devil Joe and the Backdoor Man. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais c'est pour pas avec l'éducation, mais c'est pour parler d'autre chose. Ça a à voir avec la musique. C'est un groupe de blues dont je fais partie. Nous venons de sortir un nouveau disque, Mr. Skinny Man, 4 titres de pur rock'n'roll. Si vous aimez le rock'n'roll, si vous aimez la soul, si vous aimez du rock qui tâche un peu, du blues, allez jeter un œil. Le site c'est Devil, Devil-Joe, jo.com. Devil Joe. Vous pouvez nous trouver sur tous les bons réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de son habituelles, en espérant que vous apprécierez. D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de continuer à profiter de vos proches, de débrancher un peu vos ordinateurs et vos téléphones et de voir ce qui se passe à l'extérieur. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'application qui s'appelle Trello. Une présentation que j'ai faite en utilisant une autre application qui n'est malheureusement présente que sur iPad et qui s'appelle Adobe Voice. Trello fait partie de la catégorie d'applications qui a pour but de vous aider à vous organiser. Elle nécessite une connexion Internet et est disponible dans une version gratuite avec des fonctionnalités limitées mais suffisantes. Voici ce à quoi ressemble l'interface lorsque l'on démarre l'application. Chaque projet est appelé un tableau. Et vous pouvez avoir autant de tableaux que vous voulez et sur des sujets aussi variés que ce que vous allez faire le jour même ou ce que vous avez prévu pour la semaine ou pour une liste de courses. Voici un exemple classique de tableau avec trois colonnes qui vous aident à vous organiser dans ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez à faire. Chaque colonne peut comprendre plusieurs cartes. Alors, chacune de ces cartes peut comporter bien sûr un texte, peut comporter également une description, voire une liste à cocher ou même des pièces jointes. Voilà ce à quoi ressemblent les étiquettes que peut porter une carte. On retrouve les couleurs que l'on avait et chacune est personnalisable par l'intermédiaire d'un menu comme celui-ci où vous allez choisir non seulement les couleurs attitrées pour chaque carte, mais également les noms que porteront chacune de ces couleurs. Dans cet exemple, la carte numéro 1 porte deux couleurs. Voilà, on complète un petit peu les choses. La carte numéro 2 a maintenant une pièce jointe sous forme d'une image et la carte numéro 3 a un rappel avec heure et date précisées. Dans les options de carte, on peut aussi ajouter des membres, c'est-à-dire partager la tâche que l'on a écrite sur cette carte. C'est un des aspects intéressants de Trello car on peut gérer une tâche, voire un projet entier en équipe. Chaque carte dispose en plus d'un menu qui permet d'un côté de s'en débarrasser et de l'autre côté de la partager. Les options ne s'arrêtent pas là puisque même les colonnes en possèdent. Et on peut d'un seul coup supprimer toutes les cartes d'une colonne, les dupliquer ou les archiver, ce qui permettra de les retrouver ensuite. On dispose également d'un historique qui permet de savoir ce que chacun a fait sur chacune des cartes du projet. Alors, si ça peut représenter un inconvénient, l'obligation d'avoir une connexion, c'est aussi un des gros avantages de Trello. On le retrouve depuis le smartphone jusqu'à l'ordinateur en passant par la tablette, ce qui permet de mener des projets à tout moment selon le média que l'on a à sa disposition. En somme, Trello, c'est la version numérique du tableau à fiches. On déplace les cartes d'une colonne à une autre, comme dans la réalité. On y ajoute simplement les avantages du numérique, un travail collaboratif, des modifications que l'on va retrouver sur tous les supports et ce en temps réel.
C'est une application que chacun modèlera selon ses besoins, depuis le planning de la semaine, de la journée, mais également des différentes tâches qui composeront un projet. Pour d'autres exemples d'utilisation de Trello pour une autre présentation, on se redirigera vers le blog de Thiel École, qui est celui qui m'a présenté cette application et son utilisation. Voilà, fin de l'émission. Si vous voulez bien sûr nous contacter, c'est eteachers.fr et tous les 15 jours en live. Si vous voulez contacter particulièrement Guillaume, c'est @willowteach sur Twitter. Si vous voulez contacter Sébastien, c'est @tuteur sur Twitter. Et moi, c'est @jeff8342 sur Twitter. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, hein, on y répond en tout cas. Et n'oubliez pas de répondre à notre petit sondage encore, hein, que vous avez les notes dans les notes de l'émission. Voilà, passez de bonnes fêtes, au revoir.